consacré au football où l'actualité est assez dense, c'est riche avec l'équipe nationale du Cameroun qui est en stage depuis hier du côté du complexe sportif de Moundi, c'est du côté de Yaoundé, avant de s'envoler pour Garoua mercredi après-midi où ils prendront leur quartier pour pouvoir bien préparer la rencontre face au Burundi. On rappelle que la rencontre comptera pour la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Et dans la pause actuelle, on reviendra naturellement sur le retour d'un seul homme, l'une des vedettes en ce moment de l'équipe nationale du Cameroun. Vous l'avez compris, on parlera d'André Onana. Transition, et on accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette auto-crédition et on passera naturellement à la pause actuelle. À la pause actuelle ce matin, avant de parler de la pause actuelle, on accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette auto-crédition du débrief de l'actualité. On le dit parfois et on insiste encore ce soir, le débrief de l'actualité c'est un gala des sports, et qui dit gala des sports parle justement des grandes marques qui sont mises pour davantage être un petit peu people et un petit peu beau. C'est le cas ce soir avec le directeur de publication de CFoot, Alain Denis Nkoul, qui a mis le caïman. André, bonsoir. Alain, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs et abonnés du débrief. Bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir aux internautes de CFoot, puisque vous en avez parlé, et particulièrement hein, à un dont on m'a fait le rapport. Mon community manager m'a dit qu'il est très fan de moi, qu'il me suit et me tague en longueur de journée. Il s'agit de Miguel Magellan-Bock, à qui je dis bonsoir et à qui je souhaite surtout une excellente semaine. On parlait du gala des sports, est-ce que c'est un crocodile ou un caïman? Les deux. Vos chemises. Les deux. Merci Alain. C'est pour ça qu'on aime bien vous avoir sur ce plateau. Autre invité ce soir, il était déjà là hier, Junique Cambeux. C'est le directeur de publication de LN Foot. Junique, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Alain Denis. Bonsoir à Eleni. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs du canal de International. Ah, je vais faire comme Alain Denis. Salut aussi les internautes d'LN Foot. On vous embrasse très fort. Et c'est pourquoi le chapeau? T'as le coup, Juju. Donc, invité ce soir, et c'est le dernier de ce tour de table, on a le bonheur de recevoir Petit Paul Toufak, encore appelé analyste sportif à la base, mais encore appelé IAiste. Bonsoir, Petit Paul. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, nombreux téléspectateurs du canal de l'International, la chaîne à proximité de ces téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé et je vous remercie toujours de ne pas oublier hein, de me présenter. Pourquoi IAiste? Il y a des gens qui veulent savoir. Bon, IAiste, c'est une doctrine de la bonne gestion. Et comme c'est M. Ia Mohamed qui l'incarnait, puisque pour moi, je l'ai toujours dit, c'est le meilleur dirigeant de football que le Cameroun ait connu depuis l'existence du football camerounais. Mieux qu'Eto? Bon, Eto'o fait encore ses débuts. Okay. Donc, quand on dit par exemple que Eto'o, c'est le meilleur buteur de toute l'histoire de la CAN, c'est un fait. Donc, maintenant, je soutiens Eto'o parce que je dis, parce qu'après l'incarcération arbitraire du président IA, on n'a pas eu vraiment de dignes héritiers avec des couilles, excusez-moi le terme. On ne refera malheureusement pas. Oui, non, on n'est pas en train de revenir. L'IA, maintenant, Eto'o est le digne représentant, le digne successeur, la personne pour, que moi je pense qui est la personne adéquate pour amener à bon les projets que le président IA avait laissé il y a de cela 10 ans. Et je profite pour saluer aussi toute ma grande famille, les Bakuissiens, sans oublier son sénateur, Soye Bougaga. Merci monsieur. Et on débute cette pause actuelle par les Lions indomptables du Cameroun. Et ils ne sont pas encore au complet au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Avant de vous faire le point, monsieur, on va rester sur ce regroupement. D'abord avec le retour d'une vedette, André Onana, qui est désormais dans la tanière. Les images font le tour de la toile. Et puis, la cellule de communication de la Fédération camerounaise de football a mis cette vidéo sur la toile. Et nous avons, grâce à notre réalisateur, obtenu une séquence que nous voulons bien partager avec vous, monsieur. C'est la séquence de l'arrivée des joueurs au sein du complexe sportif Le Moundi. Et selon
la communication officielle du patron de la communication au sein de l'équipe nationale du Cameroun et plus précisément Thierry Elindo. Ils ne sont pas encore au complet, au complexe du Mundi qui accueille, qui sert de base à la sélection nationale du Cameroun. On nous dit que ceux qui sont attendus pour ce soir sont entre autres Epassi, Choupo-Moting, Benjamin Djungwe-Eliott, Kaltoko et Kambi, Olivier Baizo, qui sont censés arriver ce soir. Ça veut dire qu'ils sont cinq, plus précisément, qui vont arriver ce soir. Le gros du contingent, c'est-à-dire 19 joueurs, sont désormais présents dans la tanière. Est-ce que, Junie Kambe, le fait que ce stage démarre et que 19 des 24 joueurs sont présents dans la tanière lundi, démontre le sérieux que les joueurs mettent dans ce stage? À aisance. Et surtout ce match. À aisance. Tout de même, à aisance, mais je suis un peu surpris du fait que Choupo-Moting n'ait pas encore rejoint la tanière, puisque lui, il évolue en Allemagne. C'est relativement proche des cas de Toko et Kambi et Passi. Qui sont eux qui en sont Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis. Je prendrai le cas de John Way qui a joué avec Reading et bien évidemment le cas de l'ami Baizo. Mais je pense que quand on a, avec cette distance-là, déjà 19 joueurs dans la tanière, ça démontre tout de même que les esprits sont fédérés tout autour de la victoire de Garoppolo le 12 septembre. Et dans ce regroupement, petit Paul Djoufak, il y a le retour d'un homme, André Onana. On a vu cette image partagée sur le réseau social de la Fédération Camerounaise de football, les Lions Indomptables. Comment comprendre le retour d'André? Le patriotisme, l'amour, ou le jeu arrive pour défier tous ses détracteurs? On peut l'analyser sur plusieurs aspects, tel que vous l'avez évoqué tout à l'heure, le patron. D'abord, il faut rappeler qu'il est camerounais. Bon, selon le règlement, les textes, oui, selon, il a le droit de répondre ou de déférer à la convocation de son sélectionneur. Donc, je pense que pour cette, il a répondu cette fois-ci. Maintenant, je ne suis pas dans son cœur, mais tout ce que je sais, je peux analyser. Lire, puisque tu as dit qu'on va revenir sur son communiqué, donc je ne vais pas essayer d'aller vite en besoin, au moins du communiqué, on analysera son communiqué. Mais pour moi, ce n'est pas, je ne vais pas dire que c'est l'arrivée du Messi qu'on attendait, non, pour moi c'est un joueur cadre de la tanière. À son absence, les autres ont fait ce qu'ils pouvaient, et avant lui-même, on parlait que les autres faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais avec lui, c'est un plus, qu'on le veuille ou pas? Bon, je ne sais pas. Le plus, peut-être sur le plan médiatique, oui, parce qu'il fait partie des top gardiens du monde actuellement, avec sa prestation double XXL lors de la dernière Champions League avec l'Inter de Milan, si on ne se limite qu'à ce niveau. Donc, c'est normal, c'est une star qu'on parle de lui. Mais je dis, pour moi, ce n'est pas le Messi qu'on attendait. Parce que le Messi, pour moi, dans cette année, c'est Aboubakar Vincent. Le retour d'André, Alain. Oui, le retour d'André Onana, pour moi, dans l'équipe nationale du Cameroun, je le compare un peu au retour de Zinedine Zidane en 2005 avec l'équipe de France. Je le compare un peu au retour... Mais André n'a pas dicté les joueurs qui doivent l'accompagner. Oui, je parle... À la différence de Zinedine Zidane. Effectivement, je parle de Zidane... Qui avait demandé les retours de Makelele. Je parle de Zidane, des contextes de départ, ce n'était pas les mêmes. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que le retour d'André Onana, pour ma part, est comparable à celui de Zinedine Zidane dans l'équipe de France en 2005. Il est aussi comparable à celui de Lionel Messi lorsqu'il décide de mettre fin à sa carrière, je crois, en 2016, après la Coupe América perdue, face au Chili, où il a dit qu'il ne reviendrait plus, qu'il arrêtait sa carrière internationale. On a vu une sorte d'élan populaire, on a vu une sorte d'appel du peuple qui a dit qu'il veut voir son meilleur enfant, qu'il veut voir l'un de ses meilleurs enfants revenir. C'était la même chose en France avec Zidane, c'est la même chose en Argentine avec Messi. On a vu aussi l'État s'y impliquer pour dire qu'en réalité, il faut que ce garçon puisse revenir. Donc, c'est un plus pour notre équipe. On en a aujourd'hui pour le Cameroun et la plus grande star du football camerounais, ça il faut se le dire. Ils ne sont pas 10 les Camerounais qui ont évolué à Manchester United, qui ont joué deux fois les demi-finales de Ligue des Champions européennes. Ils ne sont pas très nombreux qui ont atteint ce niveau de performance à travers le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit venu est une très bonne chose pour notre équipe nationale. Ça rappelle un peu d'autres aussi, hein, dans la même lignée, en équipe nationale aussi. Roger Milla, autrefois en 90, je crois, ouais. Je lui rappelle du président de la République, mais aussi Samuel Eto'o, ouais. Je crois avant le mondial 2014, quelque chose comme ça, ouais. Qui avait décidé de mettre fin à sa carrière et qui après est revenu après une discussion avec le président de la République
à ces années-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on en a s'inscrit un peu dans la même lignée de ces grands joueurs-là qui, après l'appel du peuple et après l'appel du gouvernement, ont décidé de revenir dans leurs équipes. C'est un élan de patriotisme, c'est une marque de sympathie pour la nation. Et donc, aujourd'hui, on ne peut être que heureux de voir l'un des meilleurs éléments ou alors la plus grande star actuelle du football camerounais revenir en équipe nationale. Juste 30 secondes, s'il te plaît. Dernier cours, c'est bien les comparaisons. Cette comparaison n'est pas raison. Il faut dire que tu as bien faux de citer Zidane, le retour, le comeback pour la Coupe du Monde 2006. Il faut dire que Zidane, c'est, avant ce comeback, c'est la Champions League, c'est le Ballon d'Or, c'est une Coupe d'Europe, c'est une Coupe du Monde. Tu as fait référence à Lionel Messi, c'est les Champions League gagnés, son temps de Ballon d'Or, c'est des champions du monde junior, champion olympique avec l'Argentine, finaliste de la Coupe du Monde, même s'il a perdu, mais il joue la Coupe du Monde. Tu as fait allusion à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est deux fois champion d'Afrique, champion olympique, trois participations à une phase finale de Coupe du Monde, quatre Champions League remportées. Et si vous faites le bilan d'Andro Onana en sélection, il est négatif, même pas une finale avec les Lions et l'Ontap. En clair, on ne vaut rien. C'est pas ce que j'ai dit. Malheureusement, il ne faut pas faire les comparaisons. Ces comparaisons n'ont pas de problème. Alain, ouais, petit Paul, je ne sais pas comment vous arrivez à faire la digression pour vous retrouver dans cette comparaison, mais ce ne sera pas. En fait, je trouve ça très surréaliste, en fait. Hein, Alain, on va évoluer. Je veux qu'on évolue. Parce qu'on parle d'un joueur dans un contexte précis. Le Cameroun, ce n'est pas le Brésil, le Cameroun, ce n'est pas l'Argentine, le Cameroun, ce n'est pas la France. Mais on fait une sorte de parallélisme pour montrer qu'en fait, au niveau du Cameroun, la star, c'est Onana aujourd'hui. Quand il revient, c'est un peu comparable à ce qui s'est passé autrefois. Mais il nous sort un déroulé. Non, faites la comparaison avec le combat des Amboangis, ça. C'est d'autres cieux. On va évoluer. Je veux qu'on s'intéresse, par exemple, à la communication d'André Onana. C'est quelqu'un qui avait décidé de prendre, peut-être sur un coup de colère, sa retraite internationale et il a décidé d'en sortir la preuve. Il est de retour au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Et dans sa communication, André Onana communique et il parle tantôt encre ocre de manipulation, il parle de mensonges, il parle encre ocre d'abus de pouvoir. Du moins, il a choisi des mots forts pour son retour en sélection nationale. Petit Paul Ndoufak, comment interpréter cette communication et sa prise de parole depuis le Qatar? D'abord, je peux interpréter qu'il est libre de tout commentaire, mais sauf que quand, pour aller dans le sens du Ekoul qui dit que c'est la plus grande star actuellement, quand vous êtes une superstar de cette envergure, vous êtes astreint à certaines déclarations. Donc, vous, à tort ou à raison, c'est votre choix. J'ai dit à tort ou à raison, vous devez vous abstraindre de faire certaines déclarations parce que cela peut vous causer préjudice plus tard. Et on a vu avec des cas, si je vous. Vous avez vu, je prends le cas avec Lionel Messi au PSG, lorsqu'il fait, il va en Arabie Saoudite, quand il revient, il est suspendu pour 2 semaines. Mais il ne fait pas une sortie qui va à l'encontre des dirigeants du PSG, même s'il avait ce droit puisque son contrat, même en question, lui restait que 2 semaines. Mais il fait plutôt une sortie pour s'excuser auprès des femmes. Qui parle de Lionel Messi? C'est le meilleur joueur de tous les temps que le monde entier connu. C'est le joueur qui vient de remporter la Copa América, la Coupe du Monde. Meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde. Donc, c'est un sens d'humilité. Pour moi, je pense qu'André n'avait pas besoin de faire cette sortie. Tout ce qu'il devait faire, c'est de répondre à la convocation, à la convocation du sélectionneur et s'en arrêter là. Parce que c'est là prêt à interpréter, même pour certains coéquipiers ou pour ses coéquipiers dans la terrière, qui peuvent interpréter cela comme un manque de respect. Parce que je dis, parfois même c'est une forme de communication. Ok. Alain Denis Nkoul, je reprends les thèmes dans le communiqué officiel avant le retour d'André Onana. Il parle de manipulation, de mensonges et d'abus de pouvoir. Qu'est-ce qu'on comprend? Oui, déjà, il faut restituer une certaine vérité par rapport à ce que Petit Paul vient de dire sur le cas Messi avec le Paris Saint-Germain. Non. C'est dans la réponse de votre, à votre question, naturellement. Okay. En réalité, ceux qui suivent les médias français, moi, RMC, par exemple, a titré une fois « Messi fait pipi sur l'institution PSG ». Alors, je ne comprends pas comment Petit Paul vient nous dire ici que Messi a été très humble quand il est parti du PSG et tout le reste. Non, Messi a d'ailleurs dit qu'il était très mal à l'aise. Tu dis bien, c'est une chaîne qui dirait l'air. L'info, c'est pas Messi qui le dit. Messi n'a pas fait des sorties. La chaîne raconte donc des bêtises. Bon, on avance. Non. Voilà. Paul, vous avez votre temps de parole, je vous en prie. C'est une prière. Laissez les autres dérouler derrière. Vous prendrez la parole, peut-être pour apporter des démentis. Voilà, donc c'est pour dire que je suis un abonné permanent de la presse française et je la suis au quotidien.
Et pour vous dire vrai, aujourd'hui, Messi est considéré comme quelqu'un qui a manqué énormément de respect au PSG. Donc, c'est un très mauvais exemple pour prendre par rapport à André Onana sur cette situation. Maintenant, sur les mots d'André Onana, effectivement, ils ont été choisis à dessein, il les assume. Est-ce que moi, à sa place, j'aurais utilisé les mêmes mots? Je n'en sais rien, parce que je n'ai pas vécu la même situation. Mais ce qui est clair quand même, c'est que ça transpire un garçon qui a quand même vécu des situations assez difficiles. En venir à parler dans ce timing-là, c'est-à-dire au jour où il arrive en sélection, parler d'injustice, parler de manipulation, de mensonge, d'abus de pouvoir, ça montre quand même que quelque part, il y a eu un sérieux malaise qui a poussé André Onana à prendre cette décision-là, qui a été une décision très hâtive. Je le confesse, je le dis. Officiellement, personne n'a pris la parole depuis. Voilà, personne n'a pris la parole depuis tout ce temps-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'on devrait plutôt se contenter de l'idée de savoir qu'on en est revenu aujourd'hui au Cameroun. Maintenant, sa communication, moi je ne veux pas savoir si l'ambiance ou l'atmosphère sera très pesante en sélection, si des gens vont dormir les uns à côté des autres, s'ils vont manger dans le même plat, s'ils vont se faire des bisous. Ce que j'attends moi, après cette communication-là, c'est que sur le terrain, que les garçons puissent répondre présent, que le garçon puisse simplement répondre présent en nous donnant le meilleur de lui-même et que c'est le Cameroun qui soit défendu au-delà de tout ce qui a été accumulé comme frustration injustice et qu'il décrit dans sa lettre. Donc, on en a aujourd'hui qui tient ces mots-là. Certes, ça peut paraître comme un peu d'arrogance parce que oui, je suis d'accord que tenir de tels mots alors qu'on a quand même donné des assurances au gouvernement qu'on devrait revenir, pour ma part, n'était pas très nécessaire. Mais après, c'est lui qui a ressenti la situation, c'est lui qui l'a vécu du côté du Qatar, c'est lui qui sait exactement par quoi est-ce qu'il est passé. Et donc, je trouve un peu malsain de venir lui faire le procès d'avoir tenu ce genre de propos aujourd'hui. Oui. C'est le fond de sa pensée? Je le pense. On en a, c'est pas un gamin. C'est un garçon qui a quand même joué la haute compétition depuis pratiquement 5-6 ans. Et donc, s'il tient des propos, et tiens, le communiqué ne sort pas au lendemain du problème au Qatar. Il s'est passé quand même pratiquement 7 à 8 mois déjà aujourd'hui. Et donc, on peut se dire que sa cellule de communication et lui ont eu suffisamment de temps de mûrir la réflexion, choisir les mots, choisir le timing même de ces mots-là avant de pouvoir les placer. Donc, dire que c'est une communication mal placée, je n'ai pas la prétention, moi, de vouloir juger cela, non. J'estime seulement que c'est un grand garçon qui est maître de ses mots, qui les assume. Et aujourd'hui, je pense qu'il arrive dans la tanière. Personne ne lui a bloqué la porte. Ça veut dire que quelque part, les autres, même en face, qui lui auraient, utilisant le conditionnel, fait des actes d'injustice et manipulation et autres abus de pouvoir, admettent eux-mêmes peut-être que les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer. Et donc, ils ont fait une sorte de dos rond pour pouvoir avancer. Jenny Kambe, avec vous évoquons le retour d'André Onana en sélection nationale. Dans quel contexte? Comment s'est déroulée l'arrivée? La relation entre André Onana, justement, et ses coéquipiers. Rappelez-vous de ce documentaire de nos amis de Canal+. On va demander à la réalisation de nous proposer un extrait, justement, l'extrait de Groix dans les yeux. Groix dans les yeux d'Aboubacar Vincent, chez nos amis de Canal+, et plus précisément avec Diomansi Camara, puisque c'était lui qui était à la présentation de ce programme. Et rappelez-vous de la réaction de Vincent Aboubacar qui déclarait, André parle, le coach parle. Je vous propose cette séquence qui va durer en 1 minute et 45 secondes, à tout casser pas là, cette réaction de Vincent Aboubacar qui pour lui, selon la réaction justement de Vincent Aboubacar, André Onana doit faire profil bas. Je vous propose d'écouter cette séquence chez nos confrères de Canal+. On nous interroge sur le sujet Onana. Doit-il revenir en sélection et qu'est-ce qui s'est passé? Comment aujourd'hui le Cameroun peut se passer d'un gardien qui aujourd'hui va jouer une demi-finale de Ligue des Champions? Je ne peux pas mettre le problème de l'équipe nationale ici, mais ce qui s'est passé réellement à la Coupe du Monde. On arrive à l'entraînement, on fait la mise en place. Et le coach parle, André Onana il parle. Le coach parle, André Onana parle. Après, ils se sont pris la tête vite fait. Après, ils ont continué, commencé à parler. Après, ils se sont pris la tête avec Rigon. En pleine séance, le même jour. Et le coach, il a commencé à parler. Et il a dit, il faut fermer ta bouche, il faut me respecter. Tout ça, le coach, il a parlé. Après, on rentre au truc, il a demandé qu'il veut partir. Non, il n'a pas demandé qu'il veut partir, le coach, il a demandé qu'il parte. Et moi, je ne sais pas pourquoi.
et ils n'écoutent pas, ils ne respectent pas. C'est comme si on peut dire qu'il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect vis-à-vis des coachs. Après, Onana, et dans la vie, c'est ça que j'ai dit, dans la vie, tu ne peux pas avoir tout confortable. Non. Il faut savoir s'adapter. Des fois, tu peux arriver quelque part, tout est fait, tout est facile. Là, tu t'intègres. Il y a des fois, il faut lutter, il faut se battre. Mais aujourd'hui, il doit se battre, il doit comprendre qu'il doit se battre. Et peu importe les situations qu'il va confronter dans l'équipe nationale, il doit faire profil bas. Et c'est là qu'il va grandir. Parce que le foot, chaque fois que tu mets une image négative, les gens, ils captent ça. Ils attendent juste le jour que tu vas trébucher. Ils te balancent tout. Ils balancent tout ça dans la gueule. Ok. Ils doivent être un peu plus... Mais la porte du Cameroun est encore tournée. Moi, j'ai dit honnêtement, moi, je ne suis pas contre. Le petit doit revenir. Honnêtement, le Cameroun a besoin de lui. C'est un grand gardien. Le petit doit revenir. C'est juste qu'il y a des passages comme ça dans la vie. Hein. Il y a des passages comme ça dans la vie. Mais s'il parvient à prendre ça, je pense qu'il va mieux grandir. Et je pense qu'il a encore des bonnes années de football devant lui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à... Jeunie Kambe, on vient d'écouter la séquence entre Diomansi Camara et Vincent Aboubakar dans le cadre de cette émission sur Canal Plus, droit dans les yeux. Que peut être le ressenti, l'accueil d'André Onana et un certain nombre de ses coéquipiers pour ce stage? Je pense que la sortie de la lettre en fait, du retour d'André Onana est bien, mais sauf que entre les lignes, il se lit déjà qu'on n'aura pas la meilleure atmosphère possible qu'on aurait aimé avoir dans l'équipe nationale. Puisque quand tu as des déclarations telles qu'il y a eu des manipulations, des déclarations mensongères et tout, mais sauf que jusqu'ici, il n'y a jamais eu un éclairci par rapport à ce qui s'est réellement passé du côté du Qatar. La seule partie qu'on puisse savoir de ce qui s'est passé au Qatar, c'est que Rigobert s'en a parlé et André en a parlé. C'est tout ce qu'on retiendra de ce qui s'est passé au Qatar. Mais après, il n'y a jamais eu la lumière sur les faits qui se sont déroulés du côté du Qatar. Et puis là, on a la version... Maintenant. On a deux versions. Maintenant. Non, la première version, c'est celle de Vincent Aboubakar, ouais, qui dit que André a parlé, le coach a parlé. Maintenant, il y a André, qui arrive dans son communiqué, qui parle de mensonges et d'abus de pouvoir. Exactement. Mais maintenant, je pense que si on vous convoque, si on est à 10 jours d'une rencontre aussi cruciale, qu'il faut rejoindre la tanière, fédérer les esprits, le plus important, c'est de venir jouer et permettre à ce pays de gagner. C'est pas de laisser encore plus de suspicion, permettez-moi Mathieu, et de laisser encore plus de suspicion qu'on en a déjà eu. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vais rejoindre mon cher Paul, c'est que André Onana, c'est deux matchs références avec l'équipe nationale. Ça, il faut le garder en mémoire. André, c'est deux matchs références avec l'équipe nationale. Un match à Blida contre l'Algérie et un match... Où on a obtenu une qualification. Exactement. Et un match avec le Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Mais là, au Cameroun, il y a des gardiens qui ont des ballons d'or et qui n'ont pas fait tellement de scènes aussi. Donc, on gagnerait à avoir une équipe aussi soudé, il aurait pu avoir une communication un peu plus tempérée. Ok, je me suis trompé. Ou disons, le peuple a fait appel comme il a dit, la nation a fait appel, je viens jouer puisque je suis patriotique. Mais quand il dit je viens jouer, il y a eu manipulation, il y a eu, il laisse planer encore un doute. C'est un choix de communication. C'est un choix de communication, mais on parle d'une sélection nationale. En France, Benzema, il part de l'équipe nationale, mais il ne fait pas tout un communiqué, il ne fait pas tout un plat avec Mathieu. Petit point de Joufa, quelle peut être l'ambiance dans la gagnée? Je pense qu'on a la chance d'avoir un capitaine qui est déjà sa 13e année à l'équipe nationale, qui a commencé à jouer dans cette sélection. Il n'avait que 18 ans et a connu la sorte. Il a connu la plupart de nos grands stars, même s'ils étaient au crépuscule déjà leur carrière. Rigo Besson, qui est l'actuel manager, Jérémy Njitap, le président actuel de l'Africa Foot. Donc ce vécu-là fait en sorte qu'aujourd'hui, pour moi, il est bien positionné pour gérer les troupes. Parce que c'est quelqu'un qui parle rarement. Mais quand il dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Il faut faire, quand Aboubakar fait une sortie, il faut bien l'écouter. Parce que si on avait suivi un peu Aboubakar, on serait à la sortie d'un match et qu'on avait pris ces choses en main, réglé les situations très tôt, ça n'aurait pas permis à certains de croire que sans eux, le Cameroun ou les Lions n'existeront plus. Parce que, je le dis encore,
il faudrait que aujourd'hui on me parle, j'entends Ekoule parler de le revenu du Messie, là, le peuple a fait appel à son gardien. Mais Cameroun, Burkina Faso, ma déclassement à Yaoundé. Quand les gens. Vous ne répondez plus à ma question là. Hein? Non, je veux prendre, je veux répondre parce que tu as dit que dans mon temps de parole, je pourrais lui répondre, non. Maintenant, est-ce que c'est un problème si je le fais? Quand les gens, oui, quand les gens le huaient, lors de ce match, pour avoir pris 3 buts et l'autre même marqué dans son camp, c'était toujours le peuple, c'était pas Douala, c'était à Yaoundé, qu'on peut dire chez lui. Donc, il faudrait que les mêmes erreurs, parce qu'il faut un peu une dose d'humilité. Quand vous arrivez dans une équipe sélection, et je pense que le véritable problème, et je dis toujours à ces joueurs professionnels, vos amis, vos vrais amis, sont ceux avec qui vous passez le quotidien. Ce sont vos entraîneurs, ce sont vos coéquipiers. Les hommes en col blanc là ne sont pas vos amis. Ils vous utilisent pour atteindre des fins personnelles. Et jusqu'ici, je pense que vous avez vu la remercier au gouvernement, il n'a jamais parlé de staff technique. C'est un choix. Écoutez, il ne va pas jouer avec le gouvernement. C'est un choix. Ce n'est pas le gouvernement qui va l'accompagner. Et qu'il parle le gouvernement, c'est qu'il parle le ministre des Sports. C'est un choix. Je voudrais qu'on fasse très attention. Parce que là, et d'autres d'ici peu, on vous parlera de tribalisme. Personne n'a jamais intervenu sur le Kangan 2. Par exemple, personne n'a jamais, on ne sait pas comment ça s'est passé. Kangan 2 qui a fait la passe de but décisif, le meilleur buteur du Cameroun à la CAN 2017, où on est champion d'Afrique, qui avait la passe de but qui nous qualifie à main au mondial. Après un match, on ne sait plus pourquoi Ngandé n'est plus convoqué à l'équipe nationale. Pourtant, c'est le meilleur défenseur, c'était le meilleur défenseur central du Cameroun avec les statistiques à l'appui à date. On n'a pas vu le ministre écrire une lettre de sport parce que c'est discriminatoire et quand les gens vont parler de tribalisme, on va accuser. Même si ce n'est pas le cas. Quand les gens parlent, on les voit tous les choses. Mais sauf que, quand on parle, on n'a pas vu le ministre, je dis bien, faire une sortie pour s'interroger. C'est quoi le problème, Michael Ngandé? Pourtant, c'est un patron dans. Mathieu, quand vous me coupez, vous ne devez pas. Non, petit Paul. Tu as laissé Ekoule parler tout à l'heure longtemps, c'est pas. Non, Mathieu, pas fini. Petit Paul. Oui, laisse-moi chuter. Ok, allez-y, je vous donne 30 secondes. Vous êtes un frère et ami, je ne peux rien vous refuser. Donc, quand un joueur a de tels comportements, j'ai dit à tort ou à raison, sa sortie, sa lettre, si je peux me permettre de le dire ainsi, n'avait pas sa place. Parce que quand j'ai interprété cette lettre, je confirme donc que J.Remingono avait raison sur la sortie de J.Remingono, qui avait dit au préalable qu'André Onana ne viendra pas en sélection. Sauf qu'il est là. Ça veut, quand vous lisez, je lis en filigrane, ça veut dire que la sortie de J.Remingono a permis que certains autorités, comme il le parle bien, ont mis la pression, mais on apprend quoi là? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, quand vous arrivez comme ça, vous regardez vos coéquipiers comment? Ok. Parce que jusqu'aujourd'hui, je le dis encore, le Cameroun n'a pas un problème de gardien. Le Cameroun a un problème au niveau de sa charnière centrale. Merci. Et je le disais encore, avec Michael Ngandé, la moyenne de buts, on prenait en moyenne 0,27 buts par match. Okay. Depuis son absence, c'est presque un but de but tous les matchs. Ces statistiques-là, nous les connaissons tous. C'est votre temps de parole. Je vous donne la parole là, mais avant, petit Paul. Il faut qu'on soit d'accord sur ce préalable. Vous venez de prendre un peu plus de 3 minutes. Non, je n'ai pas pris 3 minutes. Bon, ça va. Temps, voilà. Je vous accorde le temps de parole que vous allez définir. Je vous connais comme un journaliste de bonne foi. Monsieur Fangwa. Oui. Alain Denis Ekoule, non, je veux qu'on reste sur le questionnement de l'attitude d'André Onana dans la tanière après les déclarations. On se rappelle qu'après la déclaration de Vincent Aboubakar chez nos confrères de Canal+, le thermomètre est monté. Entre Vincent Aboubakar et le gardien de Manchester United. Que va-t-il se passer dans ce regroupement, par exemple? Que va-t-il se passer? Je pense qu'il convient d'abord en 20 secondes de rétablir une certaine vérité avant de répondre à votre question. On ne jouera pas à ce jeu ce soir. Non, ce n'est pas un jeu, c'est pour qu'on nous sommes là pour édifier les téléspectateurs. Okay. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours rétablir les vérités lorsqu'il y a des choses qui sont dites de façon pas très correcte. Petit Paul prend l'exemple de Michael Ngandé-Nganjoui. Pour comparer à André Onana. Il faut dire que c'est deux situations diamétralement différentes et opposées. André Onana a pris sa retraite internationale alors qu'il avait 26 ans. C'est un jeune joueur qui prend sa retraite alors qu'il est tout feu tout flamme encore. Au choix du Qatar. Michael Ngandé, c'est un choix du sélectionneur qui décide de ne pas sélectionner un joueur. C'est très différent. On ne peut pas mettre sur la même table de discussion un choix
d'un entraîneur qui est souverain et une décision d'un joueur encore en forme qui décide lui-même de se mettre en retrait. Il est du devoir de nous tous de pouvoir étudier la situation qui a poussé notre garçon à aller à prendre sa retraite de façon prématurée et précoce et pouvoir le ramener à la raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc faire un procès à un ministre aujourd'hui sur cette antenne disant qu'il n'a pas appelé tel, il n'a pas fait ceci pour telle autre personne, mais la même énergie pouvait s'interroger sur cette absence. Parce que dans le même temps, on pourrait vous dire que mais dans ce cas, il faut que le ministre commence disons à faire la sélection. Or que là, il s'agissait d'une situation où il fallait ramener un garçon qui a pris la décision de façon hâtive d'aller en retraite, le ramener à la raison. Maintenant, pour répondre à votre question sur l'atmosphère. Je vous réponds de 2 minutes. Oui, je pense que nous avons une attitude au Cameroun qui m'exaspère, moi particulièrement. C'est que nous préférons des gens qui sont hypocrites plutôt que des gens qui disent exactement la vérité pour qu'on puisse avancer. Mais une vraie réconciliation, j'y arrive finalement, ne s'est jamais faite dans l'hypocrisie. C'est-à-dire, on n'a jamais réussi à réconcilier les gens s'ils ne se sont jamais vidés de tout ce qu'ils ont accumulé comme frustration. André Onana, dans sa communication, a dit exactement ce qu'il a ressenti après sa suspension de l'équipe nationale par la note de la fédération. Il a dit qu'il a été victime d'injustice, il a vécu des manipulations, des mensonges et autres. C'est une façon pour lui de se débarrasser, de se décarcasser un peu de tout ce qu'il a ressenti pendant tout ce temps-là et de revenir comme un nouveau-né désormais dans une sélection sans aucune rancune ni rancœur. Alors, je ne sais pas pourquoi les Camerounais préfèrent qu'André Onana vienne étant avec des rancœurs dans écoute, son... tu penses que à l'Ajax, à l'Inter de Milan, André Onana a toujours passé la Saint-Valentin. Paul, ne me donnez pas l'impression que vous êtes indiscipliné. Pas ça. Allez-y, Alain, en moins d'une minute, on va sortir. Voilà, donc je disais qu'André Onana s'est débarrassé donc, de tout ce qu'il avait comme rancœur dans son esprit et est revenu comme un nouveau-né. Comme un nez de nouveau désormais en équipe nationale avec une mentalité de faire pour servir la nation. Okay. Maintenant, comment sera l'atmosphère avec Aboubakar? Oui, je pense que je chute par là. Ouais. Ce sont de grands professionnels, que ce soit André Onana, que ce soit Aboubakar, que ce soit Rigobert, son ou Eto'o, sont de très grands professionnels de très haut niveau. Ils vont se parler. Nous, nous n'avons pas besoin qu'ils se fassent des bisous ou alors qu'ils dorment dans la même chambre ou qu'ils montent sur le même lit. Ce que nous avons besoin de voir, c'est une victoire avec des garçons qui, sur le terrain, donnent le meilleur d'eux-mêmes et s'entendent. Parce que des joueurs qui ne s'entendent pas dans des équipes, dans le monde, ça s'est déjà vu. Et non, je n'apprends rien à personne ici. Des joueurs qui se font même la guerre, mais qui jouent ensemble et qui atteignent de grands objectifs. Donc je pense que pour ma part, ce sont de grands professionnels qui sauront faire la différence entre ce qu'ils ont accumulé comme frustration de part, en dehors du terrain et qui pourront même, à mon avis, transformer ça pour pouvoir puiser de là-bas pour offrir le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain et nous rapporter la victoire et la qualification pour la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Et ce sera mardi prochain à partir de 20h du côté de Garoua où les Lions devront arracher ce ticket qualificatif pour la phase finale Mathieu, de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le passage d'André Onana à l'Ajax, à l'Inter de Milan, n'a pas été toujours, c'était pas tous les jours Petit de Saint-Valentin. Donc là-bas, il a aussi pourquoi il n'écrit pas. Miller, transition et derrière, on s'intéresse à l'actualité au sein du football camerounais et plus précisément de la suspension de Dolan Gamény, le président de l'Unisport du Honkam. Connais comme quelqu'un de très discipliné, mon cher Petit Paul Djoufag. Et vous n'allez pas me démontrer le contraire, pas ce soir. Mon éducation, dans tous les cas. Merci infiniment, Petit Paul Djoufag et à l'ensemble du plateau. On commente cette actualité autour de notre football sur le plan national. Donald Gamény, président de l'Unisport du Honkam, a été sanctionné par la commission d'éthique de la Fédération Camerounaise de football d'une interdiction à vie d'exercer toute activité relative au football et au paiement d'une amende de 10 millions de francs CFA. On lui reproche des faits de manquement aux règles de conduite générale et de corruption dans l'affaire Jean-Paul Makasso, une affaire de achat de place au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Junik Kambe, je te donne la parole en premier. Comment comprendre cette décision autour de la suspension à vie d'un président de club?
Quand on écoute le communiqué, quand on lit le communiqué, on se dit, bah, si le mec se prend une suspension à vie, elle est forte, la décision. Premièrement, ça c'est la première des choses qui en ressort. Maintenant, quand on veut regarder les choses qui ont poussé tout de même à en arriver là, on se dit, il y a eu des causes. Et je me dis que la chambre de litige, cette institution qui a tranché, la chambre d'éthique qui a tranché sur ce dossier, a pris la peine quand même de regrouper tous les éléments suffisants et assez nécessaires pour pouvoir trancher ainsi. Mais je me dis aussi, Donald Dlamini, c'est un jeune qui est arrivé dans le football, ça c'est mon opinion à moi, et qui tout de même a beaucoup d'affection et beaucoup d'amour pour le football, plus particulièrement pour cette formation de l'Union Sport de Bafang. J'ai encore un souvenir, un match du côté du stade de Bonamou Sadi, où il s'était mis à genoux, en larmes, parce que la formation d'Union Sport du Onkam avait pu battre le Léopard de Douala, et ça donnait donc la position de leader du championnat à cette formation de l'Union Sport du Onkam. Maintenant, avec les accusations qui lui sont faites, je me dis que si la chambre a eu à trancher de cette façon, ça veut dire qu'à un moment, elle a eu des preuves très flagrantes de ce qui s'est passé avec le joueur Makosso. On parle tout de même d'une escroquerie, on parle tout de même d'une achat de place. Ça, c'est des accusations. Ce ne sont pas mes mots, c'est bien évidemment ce que relève. C'est ce qui est rédigé dans le communiqué en noir et blanc. Exactement. Donc, de la fédération. C'est des accusations fortes. À mon niveau, et si réellement des preuves, parce que je ne suis pas dans cette chambre, si réellement les preuves, s'ils savaient que cela ait vraiment été le cas, je me dis et je pense logiquement que la sanction est à la hauteur de l'accusation. Alain Denis Nkoul, je veux qu'on revienne sur la suspension et même sur la crédibilité de cette commission d'éthique aux dernières nouvelles, la dernière décision du 15 août du tribunal arbitral du sport avait frappé de nul et de nullité cette commission d'éthique. Que vaut justement, quelle crédibilité accordée à cette décision? Non. C'est pas la commission d'éthique. Petit Paul. On est sur une, chaîne regardée. Petit Paul. Dans un grand débat. Petit Paul. Vous attendez votre temps de parole et vous faites des amendements. Je suis d'accord. Mais Alain Denis Nkoul, que vaut, quelle crédibilité justement accorder à cette suspension? La première des choses qu'il convient de rappeler, c'est qu'il s'agit quand même d'un jeune président de club qui est aujourd'hui le plus jeune président de club d'élite de l'histoire du football camerounais, si je ne m'abuse. En l'occurrence, M. Donald Dlamini. C'est un jeune qui, lorsqu'il a été porté à la tête de l'Union Sport du Onkam, avait 26 ans et demi exactement. Et à 26 ans et demi, il a choisi de mettre ce qu'il a comme petit moyen au service du football camerounais et plus précisément au service de la jeunesse camerounaise. Ouais. Partant de ce postulat, donc, on pourrait, sans risque de se tromper, le considérer comme étant une sorte de modèle pour la société camerounaise. Parce que des jeunes comme ça qui font ce genre de choses, c'est très rare dans notre société. Une fois que je suis passé de là, il faut dire maintenant, pour revenir à votre question de fond en comble, il faut dire que, effectivement, je ne suis pas un expert de droit, mais vraiment, j'essaie d'interpréter les choses telles que je les perçois et de ma petite culture juridique que je peux avoir. Il est évident quand même que les résolutions de l'Assemblée du 27 août, qui avaient consacré, n'est-ce pas, cette commission d'éthique-là qui a aujourd'hui sanctionné Donald Dlamini, ces résolutions ont été déclarées nulles et de nul effet par une décision du TAS. Alors, sauf à me dire que désormais, à la Fédération camerounaise de football, on a instauré l'état de nature, l'état de non-droit, ou alors que les lois, comme le dirait un artiste musicien, sont devenues désormais des loisirs. Sauf à me dire que c'est ainsi, que c'est ça la situation désormais. Mais je pense qu'en temps normal, en réalité, on devrait d'abord pouvoir constater la non-existence de cette instance-là qui a aujourd'hui sanctionné Donald Dlamini. Alors Mathieu, si vous êtes aujourd'hui à Canal 2, comme vous l'êtes actuellement effectivement, et que votre patron hiérarchique, le rédacteur en chef, qui vous envoie faire l'émission, a été démis de ses fonctions par le patron de la rédaction, par le patron de la maison, pardon, il y a de cela un mois. Ça veut simplement dire que tout ce qu'il prendra comme décision sur vous n'aura pas d'effet en réalité. Donc je ne comprends pas sur la base de quelle légalité, encore aujourd'hui, cette commission d'éthique-là peut encore prendre ce genre de décision. Maintenant, est-ce que les faits qu'on repousse à Donald Dlamini sont des faits aujourd'hui avérés?
Donald a fait un communiqué, je m'en souviens encore, où il disait récemment que ses conseils devaient faire toute la lumière sur la situation. Et donc, j'attends de voir des éléments qui seront produits par cette enquête qui a été lancée depuis tout ce temps-là. Mais l'autre grosse curiosité qu'on remarque encore sur la question de la légalité de cette suspension, au-delà du fait que la commission d'éthique qu'elle a prise est une commission qui, pour ma part, n'existe pas, parce qu'elle a été annulée par le TAS dans la décision sur l'affaire Guéba et Gatama. L'autre curiosité, c'est que il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Macasso qui se plaint d'une affaire de corruption. Il est le corrupteur lui-même. On sanctionne celui qu'on estime être corrompu. Et le corrupteur, on n'en dit rien. C'est du jamais vu en matière de droit, en fait. Le corrupteur et le corrompu devraient être suspendus. Quand on ne suspend pas le corrupteur, qu'est-ce qu'on veut dire? Quel est le message qu'on envoie aux Camerounais? Le message, il est simple. Le message, c'est que désormais, en fait, au Cameroun, les places en équipe nationale se vendent et s'achètent. Mais Donald Gamini n'est pas la bonne porte à laquelle il faut toquer pour acheter des places. Il y a donc d'autres portes que ceux-là qui ont pris la décision de sanctionner Donald Gamini aujourd'hui et de ne pas sanctionner Macasso nous montrent en nous disant que si vous voulez désormais des places en équipe nationale, allez voir sur d'autres portes, mais pas forcément celle de Gamini parce que lui, ce n'est pas une très bonne porte. Parce qu'en temps normal, on aurait dû autant sanctionner Macasso, autant qu'un Gamini, parce que Macasso était un licencié de la Fédération Camerounaise de football, était un joueur d'origine et de nationalité camerounaise et donc est assujetti aux lois du football camerounais. Donc je ne comprends pas par quel alchimie on réussit à sanctionner le corrompu sans sanctionner le corrupteur. Dernière chose sur cette affaire, sur cette sentence, c'est que la sentence tombe le 7 août. La Chambre donne 10 jours à M. Gamini pour pouvoir faire appel. Sauf qu'il est notifié. C'est la norme, non? Oui. Sauf qu'il est notifié le 4 septembre. La sentence tombe, je me répète, la sentence tombe le 7 août. Du 7 au 17, ça fait 10 jours. Il devait être notifié dans cet intervalle de temps-là. Il n'est pas notifié du tout. Mais la notification tombe plutôt en septembre. Donc plus de 25 jours après la décision. Et donc, le mec est dans une situation où, en fait, même l'appel qu'il était censé faire, il ne peut plus le faire. Parce que, en fait, la décision a été rendue au cours de laquelle le délai pour faire appel a déjà été tracé. Donc, je pense que pour ma part, ça pue un peu du règlement de compte, malheureusement. Au-delà de Gamini, il y a beaucoup d'autres acteurs du football qui sont beaucoup pleins de la crédibilité, même des actions de cette chambre de cette commission d'éthique de la Fédération Camerounaise de football. Et aujourd'hui, à travers cette décision, encore, on voit clairement qu'en réalité, on est loin de sortir de l'auberge parce que, au-delà du fait qu'elle soit d'abord une commission aujourd'hui inexistante parce qu'illégale, elle continue encore à prendre des décisions qui sont, pour ma part, un peu à tête chercheuse. Petit Paul. C'est moi que je ris un peu. C'est aujourd'hui que. C'est votre temps de parole. Hein? Oui, aujourd'hui je constate, je ne savais pas qu'Ikoul était déjà inscrit à l'université, la mauvaise foi. Bon, il faut d'abord préciser que le TAS n'a jamais annulé les décisions prise par la chambre des litiges. C'est les résolutions de l'AG. Il faudra qu'on fasse que. Ce sont ces résolutions qui consacraient la légalité. Qui ont été attaquées. Il faut faire très attention. Alain, les acteurs qui sont allés porter plainte au TAS, ils n'ont pas attaqué les décisions. Une petite précision qui est. Ils n'ont pas attaqué. Mais tout à l'heure, quand j'ai pris. On n'a plus assez de temps. Tu as voulu me faire la morale. On n'a plus assez de temps. Allez-y, petit Paul. Je suis en train de dire ceci. Les concernés, ils savent même qu'ils sont fautifs parce qu'ils ne sont jamais allés au TAS. Si c'était des gens intelligents et honnêtes, ils seront allés plutôt attaquer les décisions prises par la commission d'éthique ou les différentes chambres de commission de la Fédération Camerounaise de football. Mais sachant que peut-être là, je n'ai pas été convoqué dans les règles de l'art, ils sont allés plutôt attaquer l'AG. Donc il faudra qu'on fasse très attention. Maintenant, pour revenir sur le cas de Donald Gamini, ce n'est pas parce qu'on est jeune président à 26 ans qu'on est forcément un modèle. On est modèle parce qu'on pose les actes positifs. Il y a des bandits et des assassins ici qui s'occupent des grands postes ou qui sont détruits dans leur famille. Mais c'est des assassins. C'est les actes que vous posez qui font de vous un modèle. Tout à fait. Et non parce que vous occupez un poste d'État. Non.
Il y a un adage qui dit que quand tu as le piment en poudre à main, avant d'ouvrir le papier, il faut te rassurer la direction du vent. Ce qui n'a pas été le cas chez notre jeune frère. Moi, je l'ai changé, j'ai causé avec lui il y a peut-être 4 ou 5 ans là. Il me donnait son intention de vouloir acheter un club ou d'être président d'un club d'élite. Je suis dit, en tant qu'un jeune manager, parce qu'il s'est présenté devant moi comme le manager de l'ancien milieu de couloir de Désastreux, j'oublie son nom. Je lui disais, écoute, tu es jeune. Je lui ai posé la question, tu connais Maxime Nana? Il dit oui. J'ai dit, Maxime Nana, c'est l'agent le plus puissant au Cameroun, le plus puissant en Afrique. Il peut avoir 5 clubs de première division au Cameroun qui payent les joueurs normalement chaque fin de mois. Même qu'il a une centaine de joueurs qui payent tous les mois. Donc quand tu vois qu'il ne prend pas un club de l'élite, il faut t'interroger. Toi qui es agent de joueurs, vraiment, je ne te conseille pas d'aller mettre ton petit argent que tu as parce que tu es un président d'un club d'élite. Cherche un club de ligue régionale départementale où tu crées ton club et tu vends tes joueurs à travers là. Tu fais comme les Rainbow Fonds. Oui, j'avais dit ça. Je lui avais dit ça. Tu es au centre d'accueil. Tu as pratiquement 4 ans. Je lui avais dit. Curieusement, après, j'ai vu qu'il était présent à une sport. J'ai dit, bon, j'ai encouragé. J'ai apprécié son courage. Je l'ai même appelé personnellement pour l'encourager. Lorsque qu'on parle. Pour aller au bout. Allez-y, petit Paul. Mais non, quand je, quand je, non, il le sait, il sait que je suis quelqu'un, je suis droit dans mes mots. Je fait. Suis très imperturbable. Et j'ai dit, je ne sais pas si vous êtes journaliste. Allez-y, petit Paul. Maintenant, je dis, concernant cette sanction, vraiment, quand on vous parle, on vous dit qu'un joueur, quelqu'un qui est un président de club, se passe pour l'intermédiaire du sélectionneur pour stocker de l'argent à un joueur. Vraiment, c'est la chose la plus malsaine, que nous n'avons pas besoin on n'a pas besoin de ça dans le football. Même si dans les intentions, on imagine que cela, ça se passe. Mais on n'a pas encore eu la preuve de cela. Mais quand cela arrive, vraiment, on se demande, est-ce que le football, on avance ou on recule? Parce que pour avoir un football, rien, tout ne peut pas être sain dans la vie. Mais tout ce qu'on se bat, c'est pour qu'au moins... ce qui est sain ou doit être sain doit avoir une bonne marche. C'est pour ça qu'on se bat dans la vie. Mais quand vous avez un jeune président comme ça, qui n'a pas eu le temps de se performer, d'apprendre auprès des autres, de se poser la question, mais pourquoi le président de Coton Sport ne fait pas de sortie? Pourquoi le président des Astres, même après avoir perdu un match, quelles qu'en soient les frustrations, il ne fait pas de sortie? Je sais que Ekoul va me dire tout à l'heure que c'est son tempérament. On ne va pas lui dire. Mais le football, la vie il y a une déontologie. Vous ne vous posez pas la question, vous répondez. Non, j'ai dit, la vie, dans toute activité, ou dans tout métier, dans tout secteur, il y a ce qu'on appelle une déontologie. Quand vous êtes déjà dirigeant d'un club, vous êtes abstrait à certaines déclarations. Okay. Parce que cela peut vous causer préjudice. C'est même précis dans les règlements de la FIFA. Vous parce évoquez que son interview au terme du match entre l'Unis y a tout et ça la parce Dynamo que, de Douala. Oui, parce que vous, quand vous dites que c'était dit, on connaissait, on venait jouer, faire les faire valoir, on connaissait déjà que tel va monter, qu'il ne va pas monter. Tu le savais, tu le sais aujourd'hui. Je suis en train d'interpréter. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Alain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il nous reste 1 minute, on va sortir. Et maintenant, j'ai entendu la faire allusion qu'on a suspendu le corrupteur, on n'a pas suspendu le corrompu, on n'a pas suspendu le joueur. Le corrupteur. Mais il faut dire qu'il est licencié dans une autre fédération. Il n'est pas licencié à la Fédération Camerounaise de football. Okay. Oui. Okay. Il faudrait que vous le sachiez. Il n'est pas membre. Alain, il n'est pas membre. Il reste 1 minute. C'est terrible ça. Paul, je vous donne 1 minute pour sortir. On écoutera. Tu sais que ce jeu-là, je suis très fort dans ça. Petit Paul, il vous reste moins d'une minute. Donc, j'ai dit, ce joueur est licencié d'une autre fédération. Maintenant, la fédération qui est celle dont appartient Donang Gameni, elle s'est saisie de l'affaire. Et dit, mais pourquoi? Et qui est président de... C'est quoi? Président d'un club. Donc, forcément, de façon automatique... Mais c'est qui le payant? De façon automatique, membre de cette fédération, de la Fédération Camerounaise de football. Donc, elle pose un acte. Il faudrait que, de ce côté... Et surtout, qu'elle a la possibilité de faire appel. Vous dites, bien, on l'a notifié. Il a de quoi faire valoir son droit en appel. Quel délai est passé? C'est à partir de la notification...
qui peut interjeter parce que la notification est là, par voie du CIE. Nous ne sommes pas quand même au quartier. C'est ah, vraiment, monsieur, même si, sort, la, même si la décision était sortie plus tôt et qu'elle a été gardée, qu'il a été notifié, plus tard, c'est la notification qui est plus importante. Monsieur, on sort. Génie Cambe, Génie Cambe. Et non la notification. Quelle suite? Parce que là, Donald Gameni a véritablement accusé réception de sa suspension. À votre avis, ce sera quoi la suite? Je pense que jusqu'à preuve du contraire, la Chambre est souveraine et il sera compliqué pour lui de revenir encore dans le football, à moins que l'exécutif actuel soit véritablement éjecté. Monsieur, on vous dit merci. Il n'y a pas que le football là. Non, petit Paul. Malheureusement, on va partir. On vous dit les merci d'être passé par ici. Les résolutions lors de l'Assemblée générale de la Alain, Alain, du 27 août 2022 Alain, sont nuls et de nuls effets. Est-ce qu'on a parlé de la chambre de litige? Monsieur, je vous en prie. On a parlé de la chambre de litige. Il y a la résolution. Je vais vous la montrer. On sort, monsieur. On sort. Résolution numéro 15. Petit Paul, on sort un peu de souris. Un peu de souris pour sortir. Un peu de souris. Cette chambre là. Alain Denis Coul. L'Assemblée générale n'est pas une chambre de litige. Vous faites quoi samedi le 9? Non, je serai déjà garois. Ok. Vous faites quoi Samedi le 9, je serai à l'Ouest. Je profite pour souhaiter adresser mes condoléances. Non. On a un ami commun. Une autre fois. Qui a perdu son papa. Donc je serai à Batier pour aider le papa. Je vais rappeler que le 9 septembre prochain, on aura lieu justement à 10h au stade annexe de Bépanda le match de la Super Coupe du tournoi AFA. Et le match opposera les champions franchement, à la commercial banque. Ce sera samedi à partir de 9h. On donnera la parole aux acteurs vendredi prochain. À très bientôt, bye bye.